levant la tête vers le ciel les soirs de match, les Madrilènes peuvent encore contempler la courbe dessinée par le pied gauche de Zinedine Zidane, offrant au Real Madrid sa 9e Ligue des Champions, la dernière en date. Le stade Santiago Bernabéu est un écran géant, un théâtre de verdure dont l'atmosphère unique rend le football plus grand, plus grisant. Assis aux côtés de Carlo Ancelotti, dont il est l'adjoint, Zidane a replongé dans cette arène qu'il a sanctifiée, dans cette ambiance parfois dévorante, mais tellement enivrante. Je sens que ça boue parfois. Ouais. Quand je suis arrivé, je ne bougeais pas. J'étais là, je regardais, d'une part parce que t'as que l'entraîneur qui doit être debout, et puis après parce que ça, voilà, je le sentais pas, et puis là je ressens l'envie en fait de me lever, de dire des choses et puis de parler aux joueurs et de parler aussi à l'entraîneur. C'est le retour à l'essence du sport, là où le geste s'invente et où le talent le façonne. Plutôt que de rester confiné dans les loges du pouvoir, revenir sur le terrain qui a construit sa vie apparaît comme une évidence. J'espérais en tous les cas que ce soit comme ça. Qu'il y ait justement cette envie, en fait, et de l'exprimer. De l'exprimer, surtout ne pas garder les choses. Il y avait moins de stress en tant que joueur, alors que là, il y en a un peu plus. Il y avait un petit peu de pression avant de jouer une finale de Coupe du Monde. Un petit peu. Et là, c'est pas la même pression. Et là, c'est pas la même pression. Celle-là, elle est un peu plus... Comment dirais-je ? Elle est un peu plus prononcée. Un an plus tôt, immergé dans la ferveur et la chaleur du Brésil, Zidane ne connaît pas encore tout à fait les contours de sa nouvelle vie. Il est encore ce joueur retraité, ambassadeur du beau jeu qui prête son image à des causes caritatives. C'est dans ce contexte qu'il accepte l'invitation de son ami Ronaldo à l'occasion de la 10e édition du match contre la pauvreté. Seguro que mucho más que un compañero, que un ex jugador, mucho más. Es un amigo y para mí un ídolo porque he estado disfrutando de él 5 años y de verdad que ha sido un placer. Il sait ce que je pense de lui et il sait que, si pour le définir, j'allais dire c'est quelqu'un de noble. Dejar el fútbol cada vez más precioso. Si ya era arte antes de Zinedine, creo que después de él el fútbol tuvo otra vez esas pinceladas mágicas. For me, he's not a soccer player. He's like a classic musician. When he plays, I think behind his plays always for me is there is classic music. Ce geste-là, ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui m'a vu le faire. Faut rien regretter. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, de s'arrêter un peu trop longtemps, c'est jamais très bon non plus. Donc je sais pas, si c'était un petit peu à refaire, j'aurais peut-être mis le nez dedans tout de suite, quoi. Voilà. Bueno, solo quiere
decir dos cosas a todos vosotros. Gracias por estar aquí conmigo y por Ronaldo, que es una cosa importante, lo sabéis todo. Y vamos a intentar disfrutar de lo que vamos a hacer ahora, del fútbol, de lo que nos gusta a todos. Y bueno, intentar que por lo menos no vayamos sin perder. ¿Vale? Vamos a intentar ganar al gordo ahí. Y gracias, y de verdad, gracias a todos vosotros. Venga. Il a un charisme naturel. Enfin, quand il rentre dans une pièce, peut-être parce qu'il est Zidane, mais aussi parce qu'il est lui-même, et qu'il a, encore une fois, cette force intérieure, cette espèce de présence, il impose quelque chose, il crée quelque chose, et ça, c'est lui. J'ai arrêté quoi, à 34 ans. J'étais international. Je jouais très souvent. J'avais, je sais pas, je faisais peut-être 50, 60, 70 matchs dans une saison. Donc j'étais arrivé à bout, quoi. C'est-à-dire que toutes les mises au vert, toutes ces choses-là, en fait, c'était devenu difficile. Donc à un moment donné, j'avais besoin de souffler. Mais j'ai peut-être un peu trop soufflé. Entre cette période-là et ce que je fais aujourd'hui, il a passé 7 ans. Donc voilà, il aurait pu, je sais pas moi, passer 2-3 ans. C'est un palier de décompression pourtant nécessaire afin d'effacer en douceur les tensions du haut niveau sans évacuer ce qui a toujours fait le sel de sa passion, le geste pur, le plaisir de mettre les autres en lumière, le sens du jeu et du but. Pendant cette période qui a duré 7 ans, c'est aussi l'occasion pour les plus jeunes de voir enfin, malgré les années qui passent, celui qui a été le meilleur joueur du nouveau siècle. Pour lui, c'est aussi suspendre le temps avant de l'accélérer et de redonner du rythme à sa vie. On est vieux. Dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. C'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et souvent, il se moque, c'était le premier, il se moquait parce que j'avais pris un peu de poids. Lui, il n'a pas le droit de prendre du poids. Quand on fait les matchs quand on va faire les matchs de charité, il est obligé d'être Zizou. Il a fait rêver la France, il a fait rêver le monde. Il ne peut pas se louper. C'est pas possible. Hay muchos jugadores que pueden ganar. La veremos. Es pronto, ahora, el 7, vamos a ver. ¿Brasil va a acoger bien el Mundial? Sí. Sí, es el país del fútbol, Brasil. Ojalá, vamos a ver un buen Mundial. Zidane, el estadio. ¿Qué cachó del estadio? ¿Cómo? ¿Qué cachó del estadio? Muy bien. Muy bien la gente. Vino a ver el partido. Partido así, pero bien. S'il vit en Espagne, c'est pas par hasard. Toute cette pression médiatique autour de lui, bah, c'est ce qu'il veut pas. Zidane, tá aqui falando. 40 anos você conseguindo jogar esse futebol com exuberância. Como é que é isso? Você mantém a forma como? Zidane aqui. Forma assim. Je pense qu'il avait envie de s'enraciner, c'est-à-dire d'être dans le concret et de faire des choses. D'être dans l'action, et pas seulement dans une action qui soit justement iconique, symbolique. Il a toujours dit qu'il voulait entraîner. Certes, il parlait des jeunes, mais il n'était pas sûr, certainement, de vouloir être entraîneur professionnel, mais il voulait entraîner, c'est sûr. Ce qui a été compliqué, en fait, c'est de basculer. Parce que je savais pas, en fait, exactement de quelle manière je voulais le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris tout ce temps.
7 ans de réflexion pour se dire que finalement, il est temps de mettre au placard son ami de lumière. Ses proches, sa famille, son père, ses 4 frères et sœurs avaient eux aussi ce sentiment qu'il fallait maintenant se construire un avenir. Il fallait vraiment qu'il trouve une autre voie et cette voie, il fallait pas qu'elle soit simple, quoi. Il fallait pas que ce soit facile, il fallait pas que ce soit... Il fallait qu'il soit vivant, quoi. Il voulait prouver à tout le monde que c'était pas simplement un joueur de foot. Qu'il y avait une vie après le foot et que... Après avoir été joueur, qu'il pouvait faire autre chose que de taper sur une balle. Je pense qu'avec tout ce qu'il a vécu, il ne pouvait pas rester. Il devait lui manquer quelque chose, ou une pression, ou... il devait lui manquer quelque chose, sûrement. Ouais, toi, tu sens qu'il a besoin de retrouver ce... Cette angoisse avant les matchs, ouais. Et ça ne pouvait que passer par le métier d'entraîneur. Autant, il y a quelques années de ça, il ne s'imaginait peut-être pas le faire. Maintenant, il est sûr et oui. Pourquoi il passe ces concours? Pourquoi il passe? Parce que quelque part, il voulait réussir par le travail et par l'apprentissage, et non pas par le fait de s'appeler Zidane. Et il voulait mettre tous les éléments de son côté pour aboutir à un résultat positif. Une sorte de retour aux sources, à travers les valeurs transmises de père en fils. Il a besoin de baigner encore là-dedans. Il a besoin de faire partager son expérience, tout simplement. Je pense que ça va être un bon entraîneur parce que c'est quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui sera proche de ses joueurs. Et qui sera compétent dans son métier, le métier d'entraîneur. Jusqu'au bout pourtant, Zinedine s'est bien gardé d'en parler, même à son père. Et quand votre fils vous a dit « je vais être entraîneur », ça a été quoi votre première réaction? Il ne m'a jamais dit « je vais être entraîneur ». Vous l'avez jamais dit? Non. Il m'a dit « je passe mes diplômes », voilà. Zidane ne part jamais à l'abordage, il est plutôt adepte de la stratégie des petits pas. Ce nouveau monde qu'il s'apprête à découvrir, il veut avoir la sensation de le maîtriser pour ne pas se faire avaler. C'est dans ce sens qu'il décide de suivre 2 formations en parallèle, celle d'entraîneur sous le regard de la Fédération française et celle de manager au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges sous la forme de séminaires dont celui-ci alla tout suivre en Savoie. Limoges, je l'ai fait parce que j'étais en poste à l'époque, mais j'étais directeur en fait de la première équipe à Madrid. Et vu le poste que j'avais, je me suis dit que la formation en fait, était le meilleur moyen de pouvoir apprendre. Et puis finalement, j'ai fait un bon choix en fait, de faire cette formation de manager. Quand une équipe se déplace dans un avion, des fois c'est 100 millions d'euros, des fois c'est 200, des fois c'est 300, des fois c'est 400. Et c'est une promotion de 18 anciens joueurs de haut niveau, tous issus des sports collectifs, réunis 3 jours en Savoie pour un colloque sur les assurances. Ça remonte au début des années 90. Newcastle achète Scherrer pour 120 millions, c'était 12 millions de livres. Pendant 6 mois, il voyage tout seul dans un avion. L'assureur représente entre 85 dans des discussions où parfois tu te dis bon, ça va être des gens qui vont essayer de t'en mettre plein la vue parce qu'ils ont fait des études et parce que tout ça. Et en fait, tous les intervenants qui venaient nous apprendre le métier, c'était des gens qui étaient bienveillants, quoi, qui les essayaient de nous montrer vraiment les choses simplement. Et après, t'apprends sur tout, que ce soit des lois, que ce soit toutes ces petites choses en fait que t'as besoin en fait quand t'es directeur d'une équipe. C'est un mec qui a envie d'apprendre plein de choses. C'est pas un hasard s'il a passé son diplôme d'entraîneur, s'il a fini son diplôme de manager général. C'est beaucoup de choses quand même pour un seul homme dans l'absolu. Faire toutes ces formations, ça prouve qu'à un moment, il a envie d'apprendre, il a envie de progresser et il a envie de s'améliorer. C'est quelqu'un qui fonctionne méthodiquement. C'est-à-dire, il veut avoir les diplômes d'entraîneur, mais ça ne suffit pas. Il faut aller bien au-delà. L'entraîneur, et de plus en plus, il aura un rôle plus important. C'est-à-dire que l'entraîneur, ça va être un manager, un vrai manager. Et un vrai manager, il doit avoir des outils de droit, d'économie, de gestion, de management. Et ça, Zinedine l'a compris. Comme pour l'Espagne, la convention collective que vous avez dans le football, elle est dupliquée dans les autres sports, le basket, le handball. Vous avez exactement le même schéma. Nous, en France, on a vu que chacun des sports a sa propre convention collective. En Allemagne, le droit qui s'applique pour les salariés s'applique exactement pareil pour tous les sportifs professionnels, que vous soyez joueur de hockey, joueur de basket, joueur de handball ou footballeur.
Ou que vous soyez salarié dans une entreprise, vous avez 6 semaines de maintien de salaire en cas d'accident ou de maladie, pas plus. Quand quelqu'un se forme, c'est aussi pour tester est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers ce métier-là. Manager général à Limoges, c'est vraiment manager un club sur toute la globalité, c'est pas le terrain pur. Est-ce que ça va me plaire? Et au fil de ses formations, il s'est positionné, il a dit j'ai envie d'être sur le terrain. Donc il a eu l'humilité de se dire je me forme et ensuite j'arriverai avec... Aussi, je pense qu'il avait besoin de cette légitimité, j'arriverai sur le terrain et pas comme numéro un d'ailleurs, puisqu'il est, il est adjoint pour le moment. Donc je trouve que c'est un parcours qui est hyper cohérent. Il y a quelques filets, donc le but c'est pas de les prendre, c'est bien de les éviter. Allez, mon ski les gars. Bravo, on va monter tranquille. Voilà. On va essayer de faire autrement. Ouais, on va faire autrement. Fais comme tu sais faire. Fais comme tu sais faire. C'est probablement la promotion la plus unique qu'on ait jamais eue. Ils ont beaucoup vécu ensemble. Zinedine, c'est quelqu'un qui est généreux. Ça veut dire quoi? Il a un regard sur les autres avant d'avoir un regard sur lui-même. Et je crois que ça, c'est l'une des particularités de cet homme-là, qui est, un, à mon avis, un gage d'une grande intelligence. C'est-à-dire que il s'occupe des autres avant de s'occuper de lui-même. Et pour moi, c'est le prototype de la générosité. Et ça, ça a été très immédiatement perçu par le groupe. La principale qualité que je vois dans ce groupe, et je pense que c'était la même chose pour les autres promos, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'équipe. Voilà, par exemple, il y a Zinedine qui est avec nous. Mais Zinedine, c'est quelqu'un qui est collectif. C'est quelqu'un qui fait briller un groupe. Et chacun d'entre nous, on retrouve un petit peu cet esprit qu'on a connu dans nos sports et surtout dans nos équipes, en fait. Et il y a une notion de... Ça fait du bien. On retourne un petit peu à ce qu'on connaît le mieux, quoi. On se dit... Mince, alors, sa vie de star, qu'est-ce que ça doit être pénible, quoi. Et finalement... Qu'est-ce que c'est rafraîchissant de le voir vivre naturellement en dehors de toutes ces paillettes. Le diplôme universitaire de manager général, ce sont des cours magistraux, un projet à concrétiser, un mémoire à défendre. C'est aussi l'occasion, entre sportifs de tout horizon, de tout statut, de découvrir un autre collectif, une nouvelle famille. Un esprit de corps qui se concrétise le jour où les étudiants vont mettre un point final à leur semaine à La Toussuire et se lancer dans une escapade nocturne en motoneige avec une conclusion plutôt inattendue. C'est moi qui suis parti. Voilà. C'est toi qui es responsable. On va pas donner de nom. On va pas donner de nom. C'est lui la poisse. Non, c'est pas mon séminaire. T'as raison quelque part. C'est ta poisse. T'as les jardinés là ou quoi? Hein? T'as les jardinés? Tout ça, c'est le partage, c'est des grands moments en fait. Parce qu'une fois que ça s'arrête, le football, bah, ça s'arrête. Et après, le véritable zizou, on le découvre là. On a eu quelques frayeurs, mais c'est bon, on est rodé. Il y a eu des prises de risque pour, lors d'un séminaire sur les assurances, c'était à peu près normal. Pour aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est ça. Au moins, on pouvait travailler sur du concret le lendemain au séminaire. On a voulu suivre de loin. C'est toi qui me donnes en galère. Mais toi, t'es un galérien en vérité. Pas de confiance. Mais toi, tu voulais. J'ai des enfants. Oh. Et elle est moi, elle n'est pas un problème. Tu m'as envoyé. Non. J'étais obligé de passer par là. Et puis après, je me suis rendu compte, en même temps, que certainement être directeur d'une équipe, c'était bien. J'ai appris pas mal de choses. Mais que c'était pas certainement ce que. À terme, ce que je voulais faire. Et puis j'ai pris après la décision de
de me tourner vers le terrain et vers le métier d'entraîneur. L'école, c'est important aussi. Le chemin de l'école et de l'entraînement. Depuis plusieurs mois déjà, Zinedine Zidane entraîne les jeunes du Real Madrid chaque lundi, chaque mercredi. Il y a un an à la Toussuire, il nous confiait déjà l'idée de retourner aux origines. Quand tu as la possibilité de parler avec des jeunes et qui sont là et qui sont à l'écoute, en fait, purée, ça t'interpelle, en fait. T'as envie de lui dire des choses, en fait. T'as envie de parler, t'as envie. Et il y a des choses qui se font, et moi je me dis que, voilà, j'ai envie de voir, d'aller plus loin et de me dire. Pourquoi pas être entraîneur et leur transmettre des choses. Ahora. Yes. Et Mickey, vale, también eso. Pour moi, j'avais pas de pression. J'étais juste avec eux aussi pour leur donner mon savoir-faire. Et c'est sympa de pouvoir commencer comme ça avec tous ces jeunes. Ils étaient très timides avec moi aussi, parce que voilà. C'était à moi de les décoincer, quoi. Enfin, qui se lâchent et que le spécifique devienne sympa. C'est ce que je voulais, moi. Bien de cabeza, bien, bien, Álvaro. Con la izquierda. ¿Por qué? Golpeo. Ah, Miki. Eso es. Bien, Stani. C'est des gamins, en fait, qui ont envie de réussir. C'est des gamins qui ont une ambition. C'est des gamins qui savent qu'ils sont dans un grand club et qui savent qu'il y a des possibilités. Alors bon, on va pas parler de la première équipe, mais en tous les cas, 80% des jeunes qui sont formés ici jouent en première division, après en Europe. Bien le contrôle. Bien, Miki. Dans le travail, je voulais qu'il soit efficace. Je voulais que le travail soit efficace. Je voulais que quand il soit devant le but, sur 300, je voulais qu'il marque 2 buts. Bien, Borja. Otra. Vamos. Eso es. Con la izquierda. Bien, Borja, bien. Pour eux, c'était pas rentrer chez eux le soir et dire à leurs parents « je me suis entraîné avec Zidane ». Non, même s'ils devaient le dire. Après, moi, mon rôle, c'était celui-là. C'était surtout que leur entraînement, en fait, soit bénéfique. Ah, pas qu'ils soient là pour... Parce qu'ils étaient contents d'être avec moi, quand même. Nous sommes à Rodez, dans l'Aveyron, la ville de son épouse, là où il aime prendre le temps de respirer, loin de la frénésie qu'il peut encore engendrer dans ses déplacements publics. C'est aussi là une autre occasion de rendre un peu au sport qui lui a tout donné. Zinedine a décidé d'investir de l'argent pour que le club de foot de la ville, le RAF, puisse accélérer son développement. Il est donc actionnaire minoritaire, à raison de 8%, mais il donne aussi de son temps pour susciter l'intérêt du public et des investisseurs potentiels autour du club. On s'est rejoint plusieurs fois sur certains matchs, c'était génial parce que ça reste un super joueur. Il permet aux gens encore de prendre du plaisir à le voir jouer au football, donc il faut qu'il continue. Mais c'est quelqu'un qui aime... Je pense qu'il aime les autres déjà, il aime les gens. Ça se voit dans son comportement puisqu'il est accessible par tout le monde. Et lui, ça, il est connu par les enfants, les femmes, les personnes âgées, enfin tout le monde. Donc il est hyper sollicité et quelles que soient les personnes, il est toujours poli et respectueux. Donc ça veut dire qu'il aime les autres. Mon sentiment, c'est qu'il le fait avec le cœur. Voilà. C'est une histoire de cœur.
Rhodes pour lui. Pourquoi sans doute par rapport à son épouse et sa belle-famille. Mais voilà, c'est un peu dire aux gens qui sont de Rhodes, qui lui sont chers, voilà, je viens et je participe aussi à la vie à Rhodes. Je ne suis pas que là de passage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la nature de votre investissement à Rhodes? Pourquoi vous êtes là régulièrement? Est-ce que vous aidez ce club? Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Ben régulièrement, bien sûr que. À la base, je viens souvent ici parce que, bien sûr, je suis attaché à la région par la belle famille. J'ai voulu m'investir parce que c'est vrai que le club en avait besoin. Et comme à un moment donné, voilà, on a besoin de faire des choses, certaines choses, je me sentais capable et j'avais envie d'aider ce club, quoi. Il nous a aidé financièrement, hein, bien sûr. Je veux dire, je ne veux pas laisser ça de côté, ça a été important. Mais c'est plus son investissement humain sur lequel je m'attache. Parce qu'il est vraiment proche du projet, plus que le pensent les gens. Je pense qu'il avait fait une interview la fois où il était venu pour ZZ Art Party et il avait dit les raisons de sa présence ici. Et je pense que même moi qui étais à côté de lui, ça m'avait touché. Et puis de toute façon, en général, quand je mets de l'argent quelque part, j'essaye de regarder ce qui se passe quand même. Voilà. Même si ça vous paraît pas grand-chose, en fait, l'argent, dire chacun à son niveau, pour moi, même si je mets un euro, je regarde toujours ce qui se passe. Voilà. Et j'ai envie, de toute façon, de m'intéresser à ce projet. Sous prétexte que c'est quelqu'un de très pudique, qui finalement ne veut pas parler pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui ne parlera jamais pour ne rien dire, comme on dit, selon la formule. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a décidé de parler, il sait de quoi il parle. Je crois que c'est ça, Zinedine. Il s'est mis dans le couloir en bas, comme s'il était là depuis toujours. Et il a tapé les mains aux gars avant d'entrer en disant « les gars, il faut gagner ». Là aussi, les joueurs, ils étaient... voilà, il est parmi nous, quoi, il est avec nous. Dans la lumière, malgré lui, mais toujours en retrait, c'est en famille, dans une petite loge du stade, qu'il va suivre ce match de CFA entre Rhodes et Béziers. On peut toujours compter sur lui, si on se retourne, il est là. Mais il ne vient pas pour accaparer l'image. Après, il n'est pas dupe de ce qu'il représente. Mais il a tout fait pour rester le plus invisible possible. Mais être invisible quand on est Zidane, c'est compliqué, quoi. Sur les différentes routes qu'il emprunte, Zidane n'a pas oublié celle qui va le mener à sa destination finale, obtenir le DEF, diplôme d'entraîneur de football. Là aussi, il ne brûle pas les étapes, qui passent par des stages en immersion dans les clubs, comme ici à Lorient, avec ses camarades de promotion Bernard Diomed, Willy Sagnol ou Claude Makélélé. Pour prendre des décisions, pour garder le cap. Jésus a tellement d'expérience aussi, du charisme. Il faut donner cette richesse-là. C'est pas bien de mourir avec. Et je pense que le football français a besoin de gens comme ça. Je me suis déjà posé la question de savoir est-ce qu'un jour il aura la volonté de transmettre tout son savoir, parce que quand même il a un gros savoir. Donc il a décidé de passer ses diplômes. Je trouve ça génial pour le foot français en général. Au programme du stage, cours théorique, exercice pratique. Nous on a des problèmes contre une équipe qui joue bas. Et dans 4 jours tu joues une équipe qui défensivement est très forte. Excelle dans le bleu. Pas bien. Mais tu dois gagner autrement tu descends. Est-ce que si je leur donne le ballon et que j'harcèle porteur et je fais récupération haute, si je récupère haut, il n'y a plus besoin de déséquilibrer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En tant que formateur, quand on est en face de nous Zinedine Zidane, au début on se dit mais qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Très vite il nous a dit mais arrêtez, je connais rien du métier. Je connais rien du métier. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai observé. Voilà, ça se dessine un peu, mais j'ai pas assez de billes. Voilà, dites-moi, interpellez-moi. Et on a senti vraiment chez lui ce besoin de se former, ce besoin d'échanger. Et les séminaires que nous avons faits dans ces différents clubs, aux Girondins de Bordeaux, à Lyon, à Lorient, à Madrid, on a senti là qu'il prenait les pièces du Pulse qui l'intéressaient. Donc je pense que pour identifier les pièces du Pulse intéressantes pour un projet, il faut déjà bien y avoir réfléchi, quoi.
Se rendre dans le Morbihan, c'est aussi l'occasion de se confronter à la méthode Christian Gourcuff, technicien reconnu pour sa philosophie du jeu. Ça passe par la progression individuelle des joueurs, ça passe par la progression de l'équipe. Et donc tout est mis en place, justement, ma conception du jeu. Donc c'est la... Je suis un passionné du foot, donc c'est le jeu qui est la priorité. Il y a un côté à la fois esthétique et puis moral. La beauté de l'action et morale aussi, parce que pour moi le sport c'est aussi respecter les règles, avoir rester dans un esprit de fair play. Aussi, j'ai fait des choix en fonction de ce que j'ai vu, ça m'a pas surpris. C'est-à-dire que j'ai vu un mec qui disait voilà comment on va jouer, mais c'était lui le patron. Même si parfois en fait ça m'a un peu dérangé dans le sens où il délègue jamais, c'est-à-dire que même s'il a des adjoints, même s'il a des gens du monde qui est autour de lui. Il savait où il allait tout seul, et ça c'est quand même bien. À un moment donné, tu t'épanouis plus, donc tu... À la limite, là, j'ai appris ce qu'il fallait, ce que je ne ferais pas, parce que moi, j'ai envie d'être à l'écoute. Voilà, même si j'ai conviction, même si je sais ce que je veux, je serai à l'écoute, parce que le staff en fait que je vais choisir, ou les personnes en tous les cas que je vais choisir, ce sera des personnes qui seront à la fois compétentes, mais en qui j'aurai totale confiance. Et des personnes en qui j'ai totale confiance, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir leur avis. Très vite, on a vu où il voulait aller. Très vite, il s'est mis en place, il s'est mis dans la tête. Ce management-là ne me plaît pas trop. J'irai plutôt vers celui-là. Je ferai plutôt ça. Et ça, je ne le voyais pas comme ça. Je vais prendre ça. Cette idée-là, elle m'intéresse. Je ne prends pas. Et il a réussi. Je pense que très vite, il a réussi à construire ses idées là-dessus. La formation touche à son terme. Dans quelques semaines, diplôme en poche, il l'espère, Zidane quittera les bancs de l'école pour rejoindre le banc de touche. Madrid, aux prémices de l'été. Ses formateurs, Franck Tivillier et Philippe Lambert, ont fait le déplacement au centre d'entraînement du Real Madrid. Il s'agit d'y valider les acquis à travers une mise en situation avec les moins de 15 ans. Zidane va devoir observer, analyser et devant ses formateurs, il est subtilement invité à formaliser sa propre vision du jeu. Tu penses quoi de l'exercice par lui-même? Est-ce que tu penses que on sollicite le niveau de ressources suffisant des joueurs? Est-ce qu'on leur apprend quelque chose? Moi, je pense que oui, quand même, parce qu'en fait, ils ont comme un circuit de passe. Ouais. Le circuit de passe que tu retrouves normalement, tu dois retrouver un match. D'accord. En fait, c'est le. Voilà, c'est... Mais en match, tu as un sens de jeu. Oui, mais c'est pour ça. À mon avis, il existe, là. En ayant une passe. Appui, remise, voilà. Tu dis on va chercher là-bas. D'accord. On va chercher d'autres. D'accord. Est-ce que tu penses que le niveau d'application, l'exigence y est? Pas tout le temps, non. Est-ce que tu penses qu'il regarde si mon partenaire est droitier ou gaucher? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il le met dans un espace ou dans les pieds? Là, il le met dans les pieds. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? En général, il vaut mieux à chaque fois dans un espace de jeu. Espace de jeu. Pour aller... C'est-à-dire que si la passe doit aller là-bas, je le mets dans le sens où elle doit aller, pour pouvoir gagner du temps encore. Donc par exemple, quand on dit à des gamins jouer dans les pieds, c'est une connerie. Il vaut mieux finalement toujours jouer dans l'espace. Non? Dans quel cas tu vas dire à un joueur joue dans les pieds? Dans quel cas tu vas dire joue dans l'espace? Moi c'est bizarre parce que moi je ferais plutôt de dire joue dans les pieds. D'accord. Donc joue dans les pieds, ça m'oblige d'orienter le ballon pour lui donner un sens. Ça te gêne pas ça? Moi c'était dans les pieds. Mais en même temps, je comprends pour gagner du temps. Pour gagner du temps et pour et être en mouvement. Être en mouvement, attaquer le ballon. Voilà. J'ai toujours ça, il faut attaquer le ballon, il voilà. faut pas rester sur tes talons, il faut toujours être en mouvement, tout attaquer. Tu prends un temps d'avance sur le. Bien sûr. Ses répliques, ses remarques, ses regards. Voilà. J'ai beaucoup aimé le stage à Madrid chez lui, dans son club. Sur les séances d'entraînement, où c'était plus un aspect pédagogique, où on observait les séances. Là, on a vu vraiment, dans ses remarques, sur les séances d'entraînement, sur la réussite d'un jeune joueur qui frappait mal le ballon, qui n'était pas concentré. On sentait que ça sortait de chez lui, de lui. C'est pas nous qui lui donnions ces éléments-là, c'est lui qui nous expliquait ça, parce que je l'ai vécu comme ça, et parce que par rapport à toutes ces informations que vous nous amenez dans la formation, effectivement, voilà ce que je retire comme enseignement.
Comment tu réagis, Zou, toi, par rapport à la qualité technique, hein? Le truc, c'est la circulation du ballon, la fluidité, enfin, le fait que quand on va, voilà, d'un côté à l'autre, si ça se passe pas comme tu veux, et que tu dis rien, là, ça se voit que c'est. Elles sont plus. Hein. Ouais. C'est pas une question. Tout à fait. Tout joueur, à n'importe quel niveau, arrive avec des convictions de ce qu'il a envie que son équipe fasse et de la manière dont il se verrait manager, coacher cette équipe. Mais ça, c'est heureusement, et puis c'est très bien, c'est ses représentations, et on a travaillé sur ses représentations. Mais après, il y a une ouverture qui est quand même importante. Une ouverture à se questionner et à se poser de bonnes questions. Le foot, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est d'essayer justement de le compliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, de vouloir inventer des choses sur un terrain. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Hein. Moi, je veux que mon équipe joue. C'est écarter le jeu quand on a le ballon. C'est de partir, repartir de derrière. C'est d'essayer de, avant de recevoir le ballon, c'est d'essayer d'avoir vu la solution après. Quand on n'a pas le ballon, c'est resserrer, resserrer les lignes, enfin, toutes ces choses-là. Et puis presser haut, jamais tourner le dos à l'adversaire. Essayer de récupérer le ballon le plus haut possible, parce qu'en fait, ça t'évite de faire toujours 80 mètres. Tout ça dans un équilibre. Après, t'adhères ou t'adhères pas, parce qu'il y a des gens qui voient d'une autre manière le foot. Mais moi, je le vois simplement. Et je le vois de cette manière-là, et ça leur a plu. Il avait envie de rester dans le football. Il a voulu justement toucher à tout, c'est-à-dire il a été le conseiller du président, il a été directeur sportif. Il voulait connaître un peu tous les rouages d'un club de football de l'intérieur avant de prendre sa décision. Sa décision est prise. Sa deuxième vie va bientôt prendre forme. J'arrivais à la fin de ma formation. Le prochain pas, c'était celui d'être dans une équipe, carrément. Donc, ce que je fais aujourd'hui. C'est allé basculer, quoi. Voilà. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Le 26 juin dernier, c'est le jour où tout bascule. Après Mourinho, le Real Madrid décide de revenir aux principes qui ont cimenté son histoire, avec un staff dédié au club, emmené par Carlo Ancelotti, dont les adjoints seront le fidèle Paul Clement et Zinedine Zidane. Ancelotti arrive aussi, donc lui c'est pareil, il est ravi. Moi je l'avais eu au téléphone hein, pour parler de tout ça. Donc voilà, c'était... Les choses se sont faites naturellement et c'était le bon moment à la fois pour le club, pour moi et pour Ancelotti. Leur destin est commun. Durant une saison et demie jusqu'en 2001, les deux hommes se sont côtoyés à la Juventus de Turin, Zidane étant le maître à jouer d'Ancelotti. Zizou a été un joueur fantastique. Tout le monde le connaît. Maintenant, il a décidé d'être un entraîneur. Je suis très contente de travailler avec lui. Il a expérience, il a qualité, il a capacité. Ma décision à moi, en fait, elle était en fonction de l'entraîneur qui venait, bien sûr. Je n'allais pas me mettre avec un entraîneur que je ne connaissais pas. Mais est-ce que tu aurais pu être l'adjoint de Mourinho s'il était resté, par exemple? Non, non. J'aurais pas pu. Et puis, de toute façon, Mourinho, il avait à la fois son adjoint. Donc, il n'y avait aucune raison que je devienne l'adjoint de Mourinho. Ne pas se laisser aveugler par l'impatience ni par l'euphorie, Zidane n'est jamais pris en excès de vitesse. C'est ce qu'apprécie le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l'homme qui a convaincu Zidane de porter un jour le maillot blanc et qui l'a toujours soutenu à l'intérieur même de la maison Real. Les valeurs du Real Madrid sont les mêmes que je crois qu'il a avec, et qu'il a comme joueur, comme entraîneur. Alors c'est très difficile de partir. Je veux dire une chose, la seule chose que je crois qu'il passe pour son tête, c'est un jour entraîner à l'équipe nationale. Mais normal, c'est normal. Oui. Et après, étonnant de voir le président du plus grand club du monde les yeux pétillants de plaisir quand on lui parle de celui qu'il appelle encore Zizou. Le Real dans son... C'est ça. Zizou, quand il était joueur, je crois que non se planteó ser entrenador el día de mañana. Él era jugador, se centraba exclusivamente en eso, pues en lo que era el mejor jugador del mundo en la época. Y yo creo que esta vocación de entrenar o de volver al mundo del fútbol y sobre todo de volver a través del Real Madrid, que también es verdad que él lo tiene en su corazón, pues ha sido más reciente. La dernière fois qu'on s'était vu avant que je prends le poste, c'est que je lui dis voilà, je veux être entraîneur, donc
On peut discuter sur le reste, mais ce que je veux faire, c'est entraîneur. Donc il m'a dit, ben, pas de problème. Comme il me dit souvent, en fait, si t'es chez toi, tu t'apprends, tu fais, nous on est derrière toi. Vous pensez que c'est suffisant de s'appeler Zidane pour être entraîneur? Non, non, en absoluto. Es más, los grandes jugadores no siempre han sido buenos entrenadores. Pero Sisu es una persona, yo creo que especial. Es verdad que es reservado. Es verdad que es difícil sacarle algunas palabras. Pero es un hombre de una gran firmeza, de unos grandes conocimientos futbolísticos, de un gran talento. Y es muy constante y yo creo que son las condiciones adecuadas para ser entrenador. Porque yo he conocido muchos entrenadores que hablaban mucho, hablaban todos los días y luego, pues, digamos, como técnicos, pues tenían un nivel muy inferior a otros, siendo más reservados. Por biología, Sisu solo puede ser número uno. Es imposible ser número dos, pero también él es muy inteligente y sabe que la carrera de entrenador es distinta de la de jugador, que igual que cuando empezó como jugador, él sabía que tenía un camino que recorrer para llegar a ser el número uno, pues yo creo que ahora mismo también está convencido de que necesita un tiempo para también ser número uno como entrenador. Un président et un entraîneur prêts à l'accompagner au milieu d'une équipe de rêve, la voix est royale et Zidane en est conscient. Maintenant, voilà, je suis convaincu de ce que je fais aujourd'hui. Tant que t'es second, t'es à l'écoute, t'es en apprentissage. Disons que c'est le chemin normal pour ensuite devenir numéro un. Je suis avec des gens d'expérience, je suis ici vraiment, c'est pas le plus facile, commencer par le Real Madrid, mais justement, enfin, en même temps, je commence par le plus difficile, mais je commence en tant que second. Un bureau, un papier, un crayon, des vidéos à préparer sur les faiblesses et les forces des futurs adversaires, c'est dorénavant le quotidien de l'entraîneur Zidane. Il est pas mal mon entraînement. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, les joueurs devant le but, ils adorent ça quand même. Travailler devant le but, des reprises de volée, des frappes, des machins. Mais par contre, il faut toujours mettre de l'application. On rentre dans les buts, non. Les buts qu'on a mis, les buts encaissés, le corner, de quelle manière on les a pris, à quelle minute on les a pris. Quand tu veux voir certains détails, c'est bien d'avoir tout ça pour préparer un match. Et nous, en fait, on a une équipe qui joue toujours vers l'avant. On est porté vers l'avant, c'est le... Tu vois. Et ça, en gros, c'est ce que tu vas faire travailler tout à l'heure, ça, non? Exactement. Le foot, c'est que ça, en fait. C'est des actions, c'est des passes. Et plus tu joues vers l'avant, plus tu es dangereux. Je pense qu'il va faire une grande carrière comme entraîneur. Parce que naturellement, il a d'apprendre autre chose, mais le charisme qu'il y a, la connaissance de foot qu'il y a, et surtout la personnalité qu'il y a, bah, il va être un grand entraîneur dans le futur. Actuellement, il y a juste un second. Là, on est deux. Le premier, c'est l'adjoint qui est Paul Clément, qui a toujours été aux côtés de Carlo Ancelotti depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et en fait, lui, il prépare et anime les séances d'entraînement. Et puis moi, c'est plutôt un autre rôle, c'est plutôt sur la tactique et les joueurs avec Carlo Ancelotti. Moi, je suis là pour tous les joueurs. Quand un joueur est moins bien, c'est d'être à ses côtés. Pas non plus le bassiner avec des milliards d'informations, mais surtout d'être là quand il a besoin. Et c'est à l'écoute, être à l'écoute du joueur, quoi. C'est le joueur, en fait, qui demande. C'est le joueur qui a besoin.
il m'apporte tout, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit mental aussi. Donc voilà, il est toujours derrière moi, il me parle. Après, je ne vais pas dire qu'il... C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais je sens au fond de lui, en fait, qu'il a envie que je réussisse. C'est voilà, moi, par exemple, avec moi, on fait tout le jour, avant les matchs, on fait du jeu devant le but, il me fait des centres, pied droit, pied gauche, marquer des buts à l'entraînement, donc des choses comme ça. Après, à la bord du match, deux, trois mots de me faire plaisir. En charge du travail avec les attaquants, Zidane a donc toutes les cartes en main pour confronter sa vision du jeu à la réalité du terrain. Une position enviée pour celui qui peut poser sa patte sans en subir immédiatement les conséquences. C'est là où j'ai envie d'apprendre des choses, et avec l'expérience en fait d'Ancelotti, j'apprends vite, quoi. Moi, je ne veux pas être le professeur. On travaille ensemble, nous sommes maintenant deux amis qui vont chercher de faire le meilleur travail pour le Real Madrid. Quand tu es entraîneur, souvent tu te couches avec un mal de tête et tu te lèves avec un autre mal de tête. Mais moi je sais ce que je veux, et même si ça sera difficile, je sais que je suis capable d'y arriver. Il est un homme bien placé pour évoquer la noblesse et la dureté de ce métier, être dans l'ombre pour mettre les autres en lumière. Aimé Jacquet, sélectionneur des champions du monde 98, lui qui a installé Zidane au centre du jeu. Le maître, il est là, c'est sûr, c'est normal. On est en face, hein. C'est marrant, hein, la vie. Il partage avec lui une certaine idée de son sport. Le grand moment. C'est l'endroit où l'entraîneur doit rayonner. Le problème, c'est d'avoir un fil conducteur personnel. Et à partir de là, on le fait partager. Il va prendre ce qui lui convient dans chaque entraîneur. Il va prendre, comme moi j'ai fait, j'ai pris. On est des éponges, on prend. On se nourrit de tous ceux qu'on a rencontrés, qui vous ont apporté quelque chose et qui vont vous identifier dans cette nouvelle profession. Parce qu'il faut trouver son identification dans ça. Si on ne fait pas ça, on ne réussit pas. Il faut avoir une philosophie personnelle. Et là, on fonce, on bloque. Et puis de temps en temps, il ne faut pas avoir peur, comme moi je le faisais, bon, on appelle l'ancien, on l'appelle, on lui dit, voilà, bon. Est-ce qu'un grand joueur fait un grand entraîneur ? Pas forcément, mais faut-il qu'il soit convaincu et décidé de se mettre dans la peau de l'entraîneur ? Zidane, le footballeur, n'existera plus. Hein. Faut faire attention, hein, ça passe vite. Hein. Faut-il qu'il se dise, à partir d'aujourd'hui, c'est plus moi, hein, c'est les autres. Et ça, c'est dur. Parce que la réalité, c'est nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le rectangle vert. Hein. Vous pouvez faire des bons entraînements, vous pouvez avoir des bonnes causeries, vous pouvez être bien accepté, vous pouvez être... Bon, peu importe. Et vous perdez. Et ben, le matin, il faut vous réveiller. Hein. Et argumenter. Et trouver des situations pour pouvoir déclencher quelque chose. Ou créer des situations. Vous vous rendez compte? Ce métier, il est fabuleux. Mais alors, quelle remise en cause tous les jours? Le premier à se mettre en cause, c'est l'entraîneur. Je lui souhaite plein de réussite. Donc Zizou, il a eu raison. Oui, bien sûr. D'y aller. Oui, oui. Il a mis du temps, mais il y va. Je l'encourage. Et puis, de prendre un beau projet, et puis de s'impliquer totalement. Mais bien sûr, sa vie va changer. Hein. C'est pas Zizou, là. Hein. C'est au boulot, hein. Travail, remise en cause. Là, il va connaître autre chose. Hein. S'il se lance. Parce que j'espère qu'il va se lancer. Hein. Faut pas qu'il reste caché derrière quelqu'un. Hein. Le joueur Zidane s'était effacé en laissant derrière lui sa part de mystère. Il va bientôt revenir en pleine lumière, avec un autre costume, debout, face au terrain, qu'il n'a finalement jamais quitté. Mais là, ce sont tous les buts qui ont été
pris par l'équipe contre laquelle on va jouer ce week-end. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ballons côté droit vers la gauche, avec des centres en retrait. C'est quelqu'un qui est super déterminé, c'est-à-dire qu'il a une humilité réelle, mais il sait exactement qui il est et ce qu'il est capable de faire, justement. Tant qu'on ne décide pas, on reste celui qui propose, celui qui articule. Mais le vrai métier, c'est que quand on rentre chez soi ou qu'on se couche le soir et qu'on se dit qui débute, qui je mets sur le banc, comment ce jour-là je vais lui annoncer, il n'y a que l'entraîneur en situation qui se pose ces questions-là. Je pense que Zizou se les est posées. Zizou y a beaucoup réfléchi, mais il n'y a pas encore répondu face à un vestiaire, il n'y a pas encore répondu face aux médias. Et le vrai métier de l'entraîneur, c'est ça. Là, je peux parier. Là, je peux mettre une pièce dans les... Allez, sans être dans les 2-3 ans. Je prendrai une équipe, c'est sûr. Allez, on est parti. On ne peut pas dire ça va être un excellent entraîneur, mais ça, on verra sur le terrain. Est-ce que tu as envie de laisser une trace aussi, comme ça, comme tu l'as laissé ouais. En tant que joueur? Oui, ouais. J'ai envie de faire quelque chose. Maintenant que je me suis lancé là-dedans, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie qu'en fait, que ce que je fais aujourd'hui, en fait, serve à quelque chose. Et c'est pour ça que je le fais, en fait. Là, j'ai envie de construire quelque chose, donc j'ai envie que, ouais, dans 10 ans, comme on s'est dit, on se dit, voilà, on se refait une interview tous les deux, qu'on se dise pas mal. Pas mal ce que t'as fait en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est ça en fait ce que j'ai envie.